Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau let's play en anglais de The Good Life. Alors, j'espère que pour le record ça ira, sinon vous ne verrez jamais cette vidéo et je l'aurai tournée pour rien. Du coup, je vais tester ça directement en enregistrement parce qu'en live, en fait, ne fonctionnait pas. Enfin, si, chez moi il fonctionnait, mais sur le live, ça saccadait. Enfin, bref, c'était injouable. Whatever. Du coup, oui et oui. Ah, ok, d'accord. Donc, là, ça fonctionne. Je vous laisse avec la cinématique. One day, by a stroke of luck, a poor orphan named Dick Whittington found himself a cat. The two became close, and the cat proved very useful, working awfully hard for him. Before long, Whittington came to treasure the cat as an irreplaceable ally. And, sure enough, after he offered the cat to a merchant ship, Whittington suddenly acquired a massive fortune. This changed Whittington's life forever. But Whittington didn't simply use that fortune for his own benefit. He paid it back to the many people who had helped him over the years. Such philanthropy, coupled with his honest character, led him to marrying a wonderful wife. In time, he was even elected Lord Mayor of London. This is the story of Dick Whittington and his cat, one every good Brit knows well. However, whatever happened to the cat once it had brought good old Whittington all his copper and joy, you ask? Well, nobody seems to know. Not even Dick Whittington himself. This is it, Rainy Woods. The way you'd want to come here. They used to call it the happiest town in the world, but that was over 30 years ago. Now I hear it's just fallen to bits and full of weirdos. If it's sightseeing you're after, you'd be better off heading somewhere like Windermere or Grasmere. To each your own, I suppose. Enjoy your holiday, then! What a goddamn hellhole. This is Naomi Haywood, a photographer from New York. Now, why would someone like Naomi come to this far-flung corner of England? Because of all the interesting things to photograph, of course. That's the official line, anyway. Her true reasons lie elsewhere. A certain client has asked Naomi to investigate a secret. And she's hoping this job will help her escape a colossal mountain of debt. Who is this client? Well, that'll become clear soon enough. Let's just see what happens next, shall we? Well then, are you ready? Ah! Don't they have pest control around here?
You got any idea how much these sunglasses cost? Goddamn hellhole! Welcome to Rainy Woods. This is the happiest town in the world. We're delighted to have you here. How do you do? Ok, pour l'enregistrement, ça a l'air d'aller, donc c'est vraiment au niveau du live. J'essaierai peut-être quand même de diminuer la qualité, la résolution et tout ça. Là, j'ai mis en élevé, je la mettrai peut-être en médium pour que ce soit un peu plus fluide. Du coup, it's a pleasure to meet you, Miss Hayward. I'm Elizabeth Dickens. Je sais pas si je vais traduire, peut-être ajouter les sous-titres moi-même, je sais pas. Je vais pas faire comme je faisais avec Zéro. Dans le jeu même, enfin dans le jeu entre guillemets, effacer le texte et tout ça parce que ça prendrait trop de temps et si j'ai du temps à donner, autant les donner à Is, n'est-ce pas? Donc je vais peut-être traduire par la voix, en tout cas pour le premier épisode je vais essayer de faire par la voix et si j'ai le temps, mettre les sous-titres écrits au-dessus ou en dessous de la boîte de dialogue, je sais pas, on verra. Donc c'est un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Hayward. Je suis Elizabeth Dickens. I've been waiting for you ever since I received word that you'd be arriving in our town today. Je vous ai attendu depuis que j'ai reçu la lettre disant que vous arriviez aujourd'hui. Ah. Le maître des manipulations frappe encore. Je vous demande pardon. Je ne parlais pas de toi, Fiat. What? Fiat? Enfin bref, Fiat. Tu saurais où je peux trouver une place où rester quelque temps. Quelque part où il y a une baignoire propre, de la wifi et un service de chambre. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Hayward. Je vous ai trouvé une maison tout entière. Ma maison. C'est exact. Par contre, il n'y a pas de service de chambre, je m'en excuse. Mais il y a un adorable jardin. Vous pouvez aussi utiliser l'internet là-bas. Et tu penses que tu peux m'arnaquer? Tu parles à la mauvaise personne. Si tu penses que tu peux m'arnaquer, tu parles à la mauvaise personne. Quoi? Vous arnaquez? Vous êtes drôle, mademoiselle Hayward. Cette maison est un cadeau de la part de la ville. Un cadeau? Oui, un cadeau. Madame, tu fais peur. C'est quoi ce gros plan, là? Whatever. Mais qu'est-ce que vous baragouinez? Oh, mais rien du tout, bien sûr. Enfin, planifier aussi, ça fonctionne aussi. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que vous donneriez une maison gratuitement à quelqu'un que vous ne connaissez même pas? Nous sommes à c'est Rainy Woods, la ville la plus heureuse du monde. Nous accueillons toute personne qui vient nous rendre visite. Voilà. Oui, je traduis directement. C'est pour ça que je suis pas fluide dans ce que je traduis et que ce que je vais écrire ne sera peut-être pas forcément ce que je dis. Donc là, je traduis vraiment en jouant. Donc. C'est normal que si je fais des fautes, c'est tout à fait normal. Plus encore, j'ai entendu que vous alliez rester avec nous pendant quelques temps. Dans ce cas, ce n'est que naturel que vous ayez votre propre maison ou rester durant la nuit, n'est-ce pas? Ouais, mais quand même. Oh, c'est vrai. J'ai déjà récupéré vos bagages de la mairie et je les ai déjà fait livrer dans votre maison.
Que diriez-vous d'y aller y jeter un œil et de ranger tout ça vous-même? Je suis sûre que vous allez l'adorer. Tu es plutôt quelqu'un d'entreprenante. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais pendant le live. Vous êtes plus entreprenante que ce que je pensais. Eh bien, je suis la personne en charge de la mairie. Évidemment. Enfin bref, comme je l'ai dit plus tôt, bienvenue à Rainy Woods, la ville la plus heureuse du monde. S'il vous plaît, acceptez mes sincères salutations et faites comme chez vous. Ok, ça c'est la destination, le point rouge, c'est la destination où on doit aller. Ok. Donc, configuration générale. Non, c'est dans quoi? C'est dans quoi? J'aimerais juste diminuer. Ah voilà. Ouais, j'ai déjà mis au minimum, donc full screen non. Le seul truc que je peux diminuer c'est ça. Je sais pas si ça servira à quelque chose. Oula. Ah non. Ça c'est pas possible. Il m'a changé mon truc, maintenant on voit pratiquement rien. Enfin moi je vois pratiquement rien. On va mettre ça comme ça. On va laisser ça comme ça, en vert. Ah non, mais carrément, il m'a changé mon truc. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Il passe des choses bizarres. Bref. Oula. Je dois aller par là. On va visiter plus tard. Oula, la sensibilité de la souris. On va visiter plus tard. Oh, le petit chat. Ah non, c'est un rat. Voilà. Ne nous éparpillons pas. Graines de sauge. Sauge? All the nutrients condensed in these seeds make them 10 times as powerful as a leaf. Can be used in cocotchkin. Tous les nutriments condensés dans ces graines les rendent 10 fois plus puissantes que leurs feuilles. Peut-être utilisées dans des concoctions, dans des potions. Oh là là. Attends. Évidemment. Rotation, on va un peu diminuer la sensibilité de la souris parce que là, ça vient n'importe quoi. Ça change rien. Pas grave, tant pis. No parking, please. Quelle belle petite maison. Quel beau petit village, en tout cas. Ah, il y a encore des trucs là. Hop. Graines de romarin. Donc exactement la même chose que de l'autre côté. Meilleur que les feuilles, blablabla. Menthe. Une feuille douce avec des petites pointes peut être utilisée dans la cuisine, enfin pour cuisiner et pour créer des potions. Chenille de sable. Longue et fine chenille. Oh là là, j'arrive plus à trouver le féminin. Une longue et fine chenille avec une texture assez rugueuse. Ça a une couleur sable. Et ça émet
une petite odeur, je sais pas ce que ça veut dire, je verrai ça plus tard, une petite odeur quand on les écrase, peut-être utilisée dans des potions. Attends, attends. Trop marrant, je kiffe. Oh god, j'adore. Bref. Alors, voyons. W, ça fait quoi? Ah, d'accord, ça c'est le journal. Ok. D'accord. Je suis sûre que vous allez l'apprécier. She got some nerve. Elle a du culot. C'est tout sale, le jardin est un bordel. Cet endroit est encore plus. It's even more of a dump than I expected to be. C'est vraiment encore plus paumé que ce que j'imaginais. Un truc comme ça. Et ce n'est même pas proche de la ville. Je suis dans l'arrière-bois. À l'intérieur de l'arrière-bois. Bah cool, bizarre. Enfin bref. C'est pour cette raison que je ne peux jamais faire confiance à qui que ce soit. C'est pour ça que je ne fais jamais confiance à quelqu'un qui donne quelque chose gratuitement. Mais je suppose que on est du côté d'un côté assez lumineux et ça me donne une totale intimité. Considérant les raisons pour lesquelles je suis venue dans ce trou perdu, cela pourrait être une parfaite cachette. Oh, bon, au moins, j'ai un ordinateur. Ok. Alors, oh, c'est trop mignon. J'ai trop envie de ranger, de dépoussiérer. Check. Des patates. Bon. Une racine végétale. Enfin, une racine végétale, oui. Enfin, légumes de... Enfin, une tubercule, on va dire. C'est pratiquement la nourriture nationale de la région. Cela peut être utilisé on the side or even as a main dish. Ça peut être utilisé comme à côté ou même comme le plat principal. Comme plat principal. Cuisinable. Graines de patates. Voilà. On va vendre des patates. Oups. Ok, F, c'est parlé. Pratique. Ça fait bizarre de jouer sur avec le clavier. Est-ce que je peux jouer avec la... Oh, mais oui, je peux jouer avec la manette. Attendez, je vais tester. Du coup, kitchen. Ok, on peut cuisiner, c'est bien. Ouh là là. Manger de la nourriture quotidiennement au café et au bar peut vous permettre d'apprendre de la nourriture, le goût de la nourriture. Une fois que vous avez appris une recette, vous pouvez la cuisiner vous pouvez en cuisiner le plat dans votre maison, dans votre cuisine ou à n'importe quelle autre cuisine. Cliquez sur start, je suppose, bref. Je sais pas, ou le bouton du milieu, j'en sais rien, je verrai, pour avoir accès à votre livre de recettes. À partir du menu, pour regarder les recettes quand vous le voulez. Ma souris est en plein milieu de l'écran, je ne supporte pas ça, merci.
Vous pouvez aussi faire des mémos basés sur les recettes que dont vous voulez vous souvenir d'acheter certains ingrédients quand vous allez faire les courses. Ok, donc... Ah ben, voilà. L'inventaire, c'est start. Ok. Caméra. Ok. Voilà. C'est ça que je voulais. Général, on va augmenter si... On va voir. Là. Ah, mais ça bouge ma souris en même temps. Ah, c'est trop bizarre. Enfin bref, pas de verre. Je vais pas cracher. Ça m'énerve ces lignes qui apparaissent sur l'écran. C'est très très agaçant. Est-ce que c'est l'anti-analysing? Oui. Ça c'est la langue. Qu'est-ce qui se fait? Pas si je fais ça. Je sais pas si ça change quelque chose, mais non, ça change rien. Tant pis. De toute façon, je vais pas jouer avec la manette parce que je vois ma souris bouger à chaque fois. Ah, c'est tellement lent. Tout d'abord, j'ai besoin de regarder et de voir si mon client m'a envoyé quelque chose. Watch out! Oula! Waouh! C'est vieux truc! Voyons voir. Rainy Woods Info. Nice to see you, to see you nice. Blablabla. Ok, ça c'est le journal. Greeting from when you. Oh god. The ultimate mushroom cuisine. You've got. Anchoring the spring dish. Then cut down. C'est là où on peut acheter des ingrédients, enfin, principalement des champignons. Alors, Lucy Turner, Flamingo, Account Register. Cher Naomi Hayward, ici Lucy Turner de Morning Bell News. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler du nouveau partage du nouveau service de partage de photos. Qui a été pris dans la tempête mondiale Flamingo, je suppose. It has a new type system where you can make money for advertisement, fees, pay, sponsor, blablabla, blablabla. Ok, donc ça en gros, c'est là où on va... Donc c'est un site de photos, on prend des photos et on les envoie pour pouvoir gagner de l'argent, si j'ai bien compris. Voilà. Ça c'est fait. Lucy Turner, j'espère que vous êtes arrivée en sécurité. Je suis sûre que vous êtes fatiguée d'un si long trajet. Donc, qu'est-ce qu'exactement... quelle sorte d'endroit est vraiment... la ville la plus heureuse du monde. Je suis sûre que cela doit être comme entrer dans un conte de fées. J'aurais aimé pouvoir y aller et voir ça par moi-même. Mais bien sûr, nous ne vous avons pas envoyé là-bas juste pour que vous puissiez vous amuser et vous relaxer. Comme des idylles vacances, des vacances idylliques. Nous voulons
Savoir pourquoi les gens l'appellent la ville la plus heureuse du monde, c'est votre travail de percer les secrets de cet endroit, en gros. Enfin, c'est votre travail d'en percer les secrets. Comme je suis certaine que vous le savez, les frais actuels que vous devez à notre compagnie est de... Ok, 30 millions de livres. Je sais pas ce que t'as fait, Naomi, mais faut pas exagérer sur les dates. Hein. C'est énorme. Je n'en crois pas mes oreilles. Je n'en ai pas cru mes oreilles quand j'en ai entendu parler pour la première fois. Mais ne vous inquiétez pas. C'est votre chance de pouvoir faire cette astronomique dette disparaître. De faire disparaître cette astronomique dette en un clin d'œil. Pendant que vous êtes dans la ville, nous, à Morning Bell News, nous allons vous envoyer une série de requêtes que nous allons vous payer, dont vous allez recevoir des rémunérations. Donc soyez sûr d'utiliser une portion, d'en utiliser une partie pour à votre profit, pour aider à payer vos dettes. Donc soyez sûr d'utiliser une partie de vos profits pour payer votre dette. By the time you manage to complete all the job, I'm sure you'll manage to pay everything off. Je suis sûre que le temps que vous complétez tous les travaux, durant la période où vous complétez tous les travaux, je suis sûre que vous parviendrez à payer la totalité, à tout payer. Et bien sûr, even if you don't manage, même si vous ne parvenez pas à faire les quêtes, entre guillemets, tant que vous révélez les secrets de la ville, tant que vous nous révélez les secrets de la ville, nous promettons de vous payer la totalité des récompenses que vous auriez fait de toutes les quêtes combinées. I'm rooting for you. Je vous encourage, hein, je croise en vous, je sais plus comment on dit ça en français. Et I always be here to support you. Et je serai toujours là pour vous aider durant le chemin. Enfin, durant l'avancée. On va dire ça comme ça. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Morning Mail News, CEO's Office, Special Correspondent Division 2, Lucy Turner, blablabla, blablabla, blablabla. Bon. Ok. Oh, jeez. Flamingo, hein. Je déteste les applications comme celle-là, comme celle-ci plutôt, mais si ça peut m'aider à me faire de l'argent avec mes photos, dans ce cas, autant l'utiliser. Dans ce cas, j'y jetterai un œil. Du coup, je suppose que je devrais uploader les photos et les tester. Display tag, hide tag, display tag, hide tag. Rien compris. Oui, vas-y, tente. Même l'internet ici est préhistorique. C'est pour ça que je déteste ce genre d'endroit, on va dire. Je sais pas ce que ça veut dire de boonies, donc... Si je m'assois et que j'attends que ce truc ait fini d'uploader, je serai toujours là quand le soleil sera parti, quand le soleil sera couché. Je devrais retourner en ville. Ouais, je devrais retourner dans le centre de la ville et commencer... legwork, commencer... Je crois du travail juridique, je suis pas totalement sûre. Naomi's professional photographer. Naomi est un photographe professionnel. Si vous trouvez
un sujet qui vaut la peine d'être photographié, bah, n'ayez pas peur de le faire, en gros. Utilisez Ctrl Left Ctrl et appuyez sur Left Alt, ok, pour prendre une photo. Vous voyez, c'est facile. Une fois que vous serez habitué, essayez de tenir Ctrl Left, enfin Left Ctrl, et d'utiliser IJKL to aim from a different pour essayer dans des angles différents. Une fois que vous aurez tout compris, appuyez juste. Une fois que ce sera que vous aurez tout préparé, appuyez sur Left Alt pour continuer à prendre des photos. Ok. Du coup, tag. Oh là là, mon dieu. En mode caméra, you'll see green marks next to the object. En mode caméra, vous verrez des marques, un marque plus en vert près de certains objets et de certaines personnes si elles sont proprement cadrées. Si vous centrez dans un. If you center in, on an object. Si vous centrez un objet ou une personne, les mots verts connus sous le nom de tag vont aussi apparaître. Les tags sont importants. D'importants indices pour nous aider à compléter certaines quêtes et de remplir certains mots-clés, je crois. Hotwords, ben, ouais, certains mots, enfin bref, je sais pas exactement. C'est pas vraiment keywords, mais hotwords, je sais pas ce que ça veut dire. Bref, on s'en fout. Après avoir pris une photo, vous pouvez appuyer sur V pour vérifier la photo et être sûr que le tag que le tag soit présent. Oh God. Sur Flamingo, il y a toujours un groupe de hot word, ok, de hashtag là, ok, de ouais, ok, listé avec un hashtag, voilà, avec un dièse, hein, comme on l'appelle en français, qui peuvent vous aider à récupérer le plus d'emox possible. Je sais pas c'est quoi un emox, mais whatever, s'en fout. Essayez de faire que chaque photo incorporée a autant de mots que possible dans le but de récupérer le plus d'emox. Les mots clés, on va dire, entre guillemets, reset tous les lundis à minuit et tous les jeudis à minuit. Donc n'oubliez pas d'uploader vos photos avant que ça n'arrive.